Alors, le numérique offre de formidables possibilités, des opportunités également d'ailleurs pour nos groupes et pour l'intelligence collective, mais également, eh bien, il pose des vraies difficultés parce qu'on a dégagé des moyens absolument énormes pour nous traquer, pour nous manipuler et pour nous faire acheter des produits dont finalement on n'a pas vraiment besoin. Alors, comment reprendre la main? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir les métacartes numériques éthiques et comment se réapproprier le numérique. Et j'ai comme invité aujourd'hui, eh bien, Mélanie Lacquérouse, qui est enseignante, formatrice et facilitatrice graphique. Alors, les métacartes, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble de cartes et il y a plusieurs jeux déjà qui ont été faits par Mélanie Lacquérouse, qui sera là aujourd'hui, et Lilian Rico, ils ont développé ces métacartes sur différents sujets. Alors, rappelez-vous, on avait déjà parlé avec le premier jeu que nous avait présenté Lilian il y a un certain temps, donc les métacartes faire ensemble pour enrichir l'animation de vos rencontres, donc ici, et c'était effectivement un moyen d'avoir des tas de méthodes d'animation. Eh bien, aujourd'hui, on va voir des métacartes autour du numérique éthique. Et pour ça, eh bien, Mélanie, j'aimerais savoir finalement, eh bien, c'est quoi ces métacartes? Les métacartes numériques éthiques sont un outil pour faire le point sur ses usages du numérique, sur ses besoins en termes d'usage numérique et aussi sur ses valeurs. Le numérique éthique, ça dépend de chacun. Aussi, nous avons proposé avec ce jeu des outils clés en main pour définir votre numérique éthique et cheminer, passer à l'action vers de nouveaux outils et de nouvelles pratiques. Très concrètement, comment on peut utiliser ce jeu, comment je peux utiliser ce jeu donc pour pouvoir effectivement développer nos propres solutions effectivement sur le numérique. Pour s'en servir, il y a plusieurs possibilités. Toutes les cartes jaune-orangé représentent des recettes, c'est-à-dire des méthodes d'animation clés en main pour faire des ateliers de médiation numérique, des ateliers de discussion autour du numérique ou pour l'appliquer à soi-même ou à sa famille pour en faire le point en fait et pouvoir prendre conscience des enjeux et ensuite être à même de progresser dans ses usages numériques. Une autre entrée du jeu, ça va être avec les cartes ingrédients qui sont les cartes violettes. Toutes ces cartes, il y en a 40, posent des questions auxquelles on va pouvoir apporter ses réponses selon son contexte afin de trouver des façons de faire personnalisées qui vont correspondre à ce que l'on est capable de faire en termes de cheminement vers un numérique éthique. Il y a 20 cartes critères et 20 cartes usage qui rassemblent des grandes familles d'usages du numérique. Alors, à vous de jouer, téléchargez les métacartes hein, et regardez aussi, vous pouvez les acheter, vous pouvez les utiliser, vous avez des compléments d'information aussi sur le site des métacartes.cc. Et puis, ben, reprenez la main sur vos usages numériques individuellement et collectivement. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi comment vous avez utilisé ces métacartes, comment ça vous a aidé à développer justement des consciences du numérique, des choix, des décisions, des règles que vous fixez, etc., etc. Donc, individuellement ou collectivement, encore une fois. Et puis, vous pouvez aussi ben, vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun truc d'animation et donc mettez la petite cloche pour ça. Et vous pouvez aussi bien mettre un petit pouce bleu ou un like de manière à pouvoir aider les algorithmes à rendre ces contenus plus lisibles sur Internet, quel que soit l'endroit où vous le voyez, Facebook, LinkedIn, YouTube, Peertube et le bon blog ou je ne sais quoi. Et puis, bah, vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur 1 heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.